Il est interdit de doubler dans un virage. C'est extrêmement dangereux. Oui, bien sûr, tu dis ça parce que j'étais en train de gagner. Ourpe, tu nous as tous les deux envoyés dans le décor. Ah ! Hé, du calme ! Oh ! Dites, je peux savoir ce qu'il se passe ici ? Rien du tout. Vous êtes censé revoir vos leçons et non pas jouer aux jeux vidéo. Alors, au travail. Et j'espère que vous ne profiterez pas de mon absence ce soir pour refaire une partie en douce. Loin de nous cette idée, n'est-ce pas, Ourpe? Oui, parce qu'on a quelque chose de beaucoup mieux à faire. Il paraît que vous organisez une fête? Mais comment tu le sais? C'est moi qui lui ai dit. Tu n'es qu'un traître! Que veux-tu? Ta sœur est très persuasive. J'ai une idée. Si on invitait Mega Maggie à venir chanter à la fête, ce serait chouette, non? Moi, j'ai bien envie d'inviter Six. Hein? Il n'en est pas question. Si les cyborgs débarquent, j'ai peur qu'ils mettent le bazar. Moi, c'est Una qui me fait peur. Elle ne nous laissera jamais faire la fête. Una n'est pas un problème. Elle anime un groupe d'études ce soir. Et pour elle, l'étude, c'est sacré. Attention, voilà Frédéric. Bon, eh bien, je vais vous laisser. Mais je suppose que cela doit vous faire plaisir. Oh non, on aurait bien aimé que tu restes. Oui, à vrai dire, on se sent un peu perdu quand tu n'es pas là. C'est pourquoi j'ai demandé à Una de me remplacer. Oh. Una? Elle aura tout pouvoir pendant mon absence. Amusez-vous bien. Adieu la fête. En attendant le retour de Frédéric, chacun d'entre vous devra suivre le règlement à la lettre. Examen complet de vos véhicules dans 10 minutes. Hein? Ah. Oh non, c'est pas vrai. Contrôle des phares. L'autre maintenant. Oh, éteins-moi ça! Ces phares sont trop brillants et trop dangereux. Tu dois les mettre aux normes. Jusque-là, tu as interdiction de circuler. Par ailleurs, transporter un passager non muni d'un casque est une infraction grave. Je vais contrôler le niveau de nuisance sonore de ton véhicule. Démarre, s'il te plaît. Bien, maintenant mets les gaz, Ourpe. L'aiguille est au maximum. C'est cool. Ton engin émet beaucoup trop de bruit. Je vais le faire mettre en fourrière. Quoi? Bien, c'est l'heure de dîner. Tout le monde à la cantine. Comment ça? Mais c'est que je n'ai pas faim, moi. Je ne te demande pas si tu as faim. Je te dis juste que c'est maintenant l'heure de manger. Tu en as un joli casque, Arf. Eh oui! Stop! Je ne veux plus qu'on serve de nourriture à ce cadet après 17 heures. Il est au régime. Mais je ne suis pas... Quoi? Tu contestes mon autorité? Non. Je vais mourir de faim, moi. Tu n'as qu'à prendre la part d'Arf. Il n'en veut pas. Ah. Merci, mon grand. Cet animal n'a rien à faire ici. Nous sommes dans une cantine, pas dans une animalerie. T'inquiète pas, Arf, on ne la laissera pas te mettre dehors. Oui, et c'est nous, au contraire, qui allons la mettre dehors. Si tu tentes quoi que ce soit, tu risques fort de t'attirer des ennuis. Il faut qu'on se débarrasse de ce tyran. Je crois que j'ai une idée. Contentez-vous de faire comme moi. C'est quoi, toutes ces messes basses, hein? Nous étions en train de nous dire que tu faisais un travail admirable. Mais non, nous... C'est vrai, la discipline, ça a du bon. Et en fait, on en redemande. Oh oui, ça c'est vrai. Vous trouvez vraiment que je fais du bon travail? Oh mais bien sûr, voyons. Tu sais, je trouve ça dommage que tu aies dû renoncer à tes activités habituelles rien que pour nous surveiller. Visiblement, vous partagez tous le même avis. Je crois que je vais aller à mon groupe d'études. Oui, c'est génial. On est très contents pour ton groupe d'études. Oh. Ça y est, elle est partie. Alors on va pouvoir préparer la fiesta. À
Attention, on n'accepte pas n'importe qui. Ne viennent que ceux qui sont invités. Qu'est-ce que tu attends pour t'ouvrir? Pour ouvrir, j'ai besoin d'un mot de passe. Ce sont les ordres d'Ouna. Je vais te faire sortir de tes gonds, la porte. Désolé, ce n'est pas le bon mot de passe, mais c'était bien essayé. Écoute, le mot de passe a certainement un rapport avec Ouna. Ouna raffole des livres. Vous chauffez, mais ce n'est toujours pas ça. Réfléchissons, qu'est-ce qu'elle aimerait avoir qu'elle n'a pas? Des amis. Ouna a beaucoup, beaucoup d'amis. Ouh là là, Ouna ne va pas du tout aimer ça. Je suis fichu. À tous les coups, je vais finir en porte de salle de bain. Et surtout, n'oublie pas de refiler le nouveau mot de passe. Il paraît que toi et tes potes, vous avez annulé une fête. On n'a rien annulé. Il paraît aussi qu'il y a un mot de passe et que tu le connais pas. Eh ben non, en fait, je le connais, c'est Ouna a beaucoup, beaucoup d'amis. Dites, vous le répéterez à personne. Tu as notre parole. Tant mieux. Non mais quel idiot ce Ourp. Allez viens, faisons circuler l'info. Ceci est incompréhensible. La moitié des élèves a échoué à son examen de physique. Pourquoi n'assiste-t-il pas à mon cours de soutien? Ils sont peut-être partis à la fête. Quoi? Quelle fête? Celle que vous organisez? Frédéric? Oh non! Laisse-nous entrer, la porte. Désolé, mais vous n'êtes pas sur la liste. En plus, vous n'avez pas le mot de passe. Ouna a beaucoup, beaucoup d'amis. Non, d'une clé. Ah, Ouna, te voilà enfin. Tu m'as l'air de t'être fait beaucoup d'amis ces derniers temps. Oh, non. Oh, Nima, comment as-tu pu? Au départ, ça devait être une petite fête entre nous. Je ne sais pas pourquoi il y a autant de monde. Ouah, eh ben, Ouna, tu sais y faire pour organiser les fêtes, toi. Ah oui, tu trouves? Et comment t'as fait venir Maggie? Maggie est une vieille amie. Elle est venue ici spécialement pour me chanter sa dernière chanson. Ah, t'es trop cool, Ouna. Trop cool? Oh bah tiens, on ne me l'avait jamais faite, celle-là. Je veux que vous éteigniez cette musique. Allez, viens danser avec moi. J'aurais bien aimé que Ourp puisse assister à ça. Où est-il, d'ailleurs? Il est parti chercher Six et les autres cyborgs. Oh non, pas les cyborgs. Oh. Nous devons faire quelque chose, Blip. La situation nous échappe. Ne t'inquiète pas, Nima. Tout va bien. J'ai bien peur que cela ne dure pas. Ourp est parti chercher des cyborgs. Oh non! Suis-moi! Dites, c'est un vrai bazar dans cette maison. Et la musique est beaucoup trop forte. On n'a vraiment pas le temps de discuter, la porte. Vite, dépêche-toi d'ouvrir. Bon, très bien. C'est vous qui l'aurez voulu. Voilà ce qui arrive quand la musique est si forte qu'on n'entend pas l'alarme. J'ai reçu plusieurs plaintes pour tapage nocturne. Donnez-nous une minute et nous allons régler tout ça, monsieur l'agent. Surtout, ne les croyez pas. Ce sont eux les responsables. Restez où vous êtes tous les deux. C'est moi qui vais prendre les choses en main. Hey, Ourp, tu es bien sûr que tout est gratuit à la fête où tu nous emmènes? Oui, sûr et certain. Oh non! Alors, il paraît qu'il y a une fête dans le coin. Non, il n'y en a plus. Elle est terminée. Qui a organisé cette fête? C'est Ouna. Et visiblement, la fête est finie. Eh, mais où est-ce que vous allez? Je croyais que vous étiez mes amis, moi. Il n'y a plus de fête, alors il n'y a plus d'amis.
Ce n'est pas grave, Ours. Ils vont trouver un autre endroit où aller traîner leur guêtre. D'ici 5 minutes, ils auront oublié cette déconvenue. Alors, c'est à toi que l'on doit cette fête, cadet. Non. En fait, c'était mon idée. Miss Mega Maggie? J'étais en train de tourner mon dernier clip quand la soirée a dégénéré. Ces cadets ont eu la gentillesse de m'aider. J'espère ne pas vous avoir causé trop de tracas. J'ai reçu beaucoup de plaintes. Mais bon, ça ira pour cette fois. À la condition que vous enleviez vos engins dans les 10 minutes. Hé, hey, revenez! Ils méritent d'être punis. Ce ne sont pas des anges, vous savez. Oh, elle est belle, notre police. Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, moi, je fais grève. Tu pourrais nous donner un coup de main, Ourp? Il n'en est pas question. Je n'ai pas participé à la fête, moi. Ourp! Oh oh! Attention, voilà Frédéric! Et cette pièce qui ressemble à un vrai chantier, je suis perdue! Ne t'inquiète pas, je crois qu'on a encore du temps pour faire le ménage. Notre ami Laporte est toujours en grève, pas vrai?